contre la mer. Ce petit pont fut construit sur les restes de construction romaine, transformé par la suite à l'époque des Visigoths. Mais c'est à l'initiative des rois de Mallorca, le château tel que nous le connaissons aujourd'hui fut bâti. Il était destiné à servir de résidence d'été à la cour royale. L'édification du bâtiment s'arrêta en même temps que le palais des rois de Mallorca à Perpignan entre 1242 et 1280. Passé citadelle, les rois de France après le traité des Pyrénées en 1559, elle subit de nombreuses transformations par Romain durant le XVIIe siècle. Enfin, le château de Thank you.
surface en inox pour faire la réflexion. L'idée, c'est de faire la concentration de manière à, donc après, vous l'orientez de manière à concentrer ici, là. Vous avez différentes possibilités comme usage. Vous pouvez poser une poêle et faire une paella. Vous pouvez également poser une marmite, faire chauffer de l'eau. Et sinon, l'utiliser en plancha solaire, c'est mieux que le barbecue. Et alors, pourquoi? Parce que vous posez une plaque noire et tous les rayons vont être absorbés et vous transformez en chaleur. Tandis que la grille, ça passe à travers. Moi, je l'ai déjà utilisé, notamment pour faire de la ratatouille, une épaule d'agneau également, une carbonade flamande et aussi une... Carbonade flamande, c'est un bœuf bourguignon version ch'ti à la bière. Breton, vous connaissez ou pas? Et des moules à la catalane, ça va très très vite. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à réaliser. Vous savez que le soleil, pour nous, il nous semble être très très loin dans le ciel. On reçoit qu'un simple faisceau de lumière, pas la totalité. Et ce faisceau de lumière nous semble arriver en lumière parallèle.